Matthieu 23, verset 13, à continuer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de toute longue prière. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit à vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est déçu. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulerait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'imputés. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc clamez-vous vos pères? Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la chaîne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie les prophètes, les sages et les scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez les verges, les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Au Meshita. On nous dit plonge de Dja. On nous dit plonge de Dja. Et chapeau de Dja. Alléluia. Criez le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le ciel parle. Ah oui, on dit pas le ciel. Que le ciel parle. Alléluia. Criez victoire pour nos moins. L'enfer pour Dieu. Ciel pour nous. L'enfer pour Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, et dans une révélation, Dieu nous a parlé de prêcher Matthieu chapitre 23. Maintenant, on a essayé, en tant que l'esclave du maître, l'esclave du grand roi,
a essayé de couper en bas l'ordre de Dieu. Amen. Donc, moi, je crois que le Seigneur, dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, il va capable d'aider nous. Maintenant, dans le texte que nous sommes étudiés et dans le texte que nous sommes lire pour, c'est un texte qui montre maintenant péché l'église a fait face. Maintenant, quand on parle de l'église, on parle de l'église universelle. Maintenant, le péché que l'église a fait face, ou la gangrène, maintenant qu'a ravagé l'église du 21e siècle, ou bien l'église actuelle, maintenant on va retrouver ce texte, c'est l'hypocrisie. Amen. Amen. Là, ça va être bon. Amen. Maintenant, avant que nous allions plus loin, dans le temps de la Palestine, ou du moins dans le temps d'Israël, te gagnons ensemble des hiérarchies bien coordonnées qui étaient dans la société juive là. Premièrement, nous pouvons jouer dans l'échelle sociale israélienne, c'était les pharisiens. Maintenant, les pharisiens qui s'ayotaient, ce sont les gardiens de la loi. Ou bien, maintenant, ce sont des docteurs de la loi. Maintenant, les pharisiens, ils étaient là pour être capables d'exécuter la loi. C'est ça. Maintenant, on va retrouver les pharisiens, c'est là même maintenant qui ont gagné à bon côté. Maintenant, Torah dans Méo. Ça veut dire que la Torah dans Méo, en parlant de les 5 livres de la loi. Et maintenant, ils ont gagné le Talmud dans Méo, qui c'est le commentaire de la loi. Maintenant, on va retrouver en bas échelle, maintenant des pharisiens, on va retrouver les scribes. La société juive là. Les scribes, ils ont dit que ce sont des reproducteurs de la loi. D'abord, bien compris, oui. Ce sont les reproducteurs de la loi. Ça veut dire que M. Sayo, ils sont là pour réécrire la loi. Ils sont là maintenant pour rédiger la loi. Donc, on prend. Dans le temps d'Israël ou dans le temps de la Palestine, maintenant, où te prend maintenant Esdras, Esdras qui était un scribe, qui était homme versé dans les Saintes Écritures. Maintenant, tu es écrit, maintenant, avec mes paroles, il réécrit maintenant les 5 livres de la loi. Ce sont les scribes. Là, on va retrouver maintenant en bas échelle, hiérarchie, juif, on va retrouver les Hérodiens. Dans mon bien comprendre. Les Hérodiens, maintenant, ce sont des partisans d'Hérode. Maintenant, eux-mêmes, ce sont des conservateurs, ou du moins, ce sont maintenant des partis politiques d'Hérode. Maintenant, ce sont des hommes politiques, ou du moins des hommes, des politiciens. Ce sont les Hérodiens. On va retrouver en bas les Sadducéens. Les Sadducéens, yo même rôle yo en tant société juive là, c'est un groupe de monde qui a prôné l'intellectualisme, la philosophie, ou comprendre donc un bagage intellectuel que yo t'a prôné. Donc yo même yo pas croire dans résurrection et yo pas croire dans ange. Donc ce sont des Sadducéens. Ou pas retrouver après les Esséniens. En temps, société juive là. Les Esséniens, maintenant, ils étaient là, ce sont des groupes de personnes qui n'ont pas. Donc, ils ne sont pas là à faire monde. Donc, ça veut dire, pendant que vous n'avez pas, donc, depuis que vous penchez mal, les Esséniens prennent. Et ça ne faut pas prendre le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un Essénien. Ça veut dire, Jean-Baptiste, en mettant à part, il reculait à part. Et puis tout maintenant, lorsque ça penchait mal, et puis tout Jean-Baptiste Grisot. Ce sont les Esséniens. Mais maintenant, dans toute échelle, nous parlons de ça, on est les pharisiens, qui sont les directeurs de la loi, ou bien qui sont les docteurs de la loi. Maintenant, Matthieu, chapitre 23, Jésus-Christ
problème Jésus-Christ gagne. Maintenant, vous parlez en temps et chasse ça là. Vous parlez Jésus-Christ pas tellement de problèmes ensemble avec les sirotiers qui se sont des hommes politiques. Parce que les politiciens ont déjà montré Jésus-Christ ça a fait. Vous êtes ensemble avec moi? Maintenant, ils ont déjà montré Jésus-Christ qui ça a fait. Maintenant, vous parlez des autres personnes, les seigneurs, vous parlez des autres personnes, Jésus-Christ dans l'échelle sociale, société. Jésus-Christ maintenant, pas de problème ensemble avec le groupe social. Mais créer le monde Jésus-Christ qui a des problèmes ensemble avec vous, ce sont les pharisiens. Est-ce que vous avez ça? Ce sont les pharisiens, ce sont les scribes. Donc, scribes là sont l'autre échelle que lié en deux pharisiens. Là. Donc, qui fait partie des pharisiens. Maintenant, problème Jésus-Christ. Gagné pour là, ça fait les pharisiens. Et Jésus-Christ prononçait 8 malheurs. Là, moi, bien compris. 8 malheurs, Jésus-Christ prononçait, Jésus-Christ déclarait. Le bras lit le Matthieu 23, il y a 8 malheurs. Là, moi, bien compris. Il y a 8 malheurs qui sont dos des pharisiens. Et maintenant, le bras comprend les pharisiens. Maintenant, dans la société moderne, ou pas retrouver les pharisiens. Ou pas retrouver en dans l'église de chaque pharisien. D'accord, bien compris. Maintenant, ou pas retrouver les pharisiens. Ou pas retrouver les pharisiens en bas. Ou pas retrouver dans l'église universelle. Ou du moins dans l'église universelle. Donc, quand on parle l'église universelle, on voulait parler maintenant de toutes les églises. Le 80 à 90% l'église a quoi vivre là? Cherchez pharisiens. En bas, c'est pharisiens. En l'air, c'est pharisiens. Là, vous bien comprendre. Et une bagaille, vous ne pouvez pas comprendre Jésus-Christ qui est un. Jésus-Christ n'a pas un problème sous chaud. Jésus-Christ n'a pas un problème sous froid. Mais le problème Jésus qui est un et le tien. Ou pas les chaud, ou pas les frettes. Ou pas ça, ou ça, ou pas ça. C'est où, c'est pas où. Là, mon bien comprendre. Regardez, il y a un problème. Jésus qui n'a pas de problème à vous. Mon ouïe là, ou même montrer Jésus, mon ouïe là. Façon là, ou même présenter Jésus, façon là. Porte en bas là, ou même montrer Jésus, porte en bas là. Le problème, Jésus qui gagne à vous. Et parce que, regardez, en l'air sèche, en bas mouillé. Ou qu'on problème pharisien, dehors. Ou pas mon appel temps. Regardez, pendant pas la collade là. Ou pas de la collade. Chargé haussement, desséché, gardez, c'est rat qui frotte. En tant l'église, gardez, l'église du 21e siècle, et rat qui frotte, pas ni à collapse, les mon emploi à collapse, et pas à collapse qui borre, les mon emploi sourire, et pas sourire, et pas qui sourit à eux, mais que ferme, Jésus qui parle des pharisiens. Dans mon vieux couple, les pharisiens, Jésus qui a un problème avec vous. Les pharisiens, la balle n'est pas prête. Les pharisiens, il n'y a pas de problème avec vous. Pour le bon conseil. Depuis ce conseil, la bon conseil. Depuis ce conseil, la prends chouk là. La mettre dans la tête pas. La prends chouk là. La fonce en bas. Mettez dans ta disque. Il n'y a pas de bon conseil. Gardez au vin côté ou pas conseil. Il n'y a pas besoin de conseil la mer. Au vin côté ou dit mais ça vous fait. Il n'y a pas fait. Mettez dans la disque d'après c'est vous-même. La prends chouk là. Mettez la tête. Yo et le pharisien. Ça vous bien comprendre? Les pharisiens, regardez, qui est pour eux mais pas qui est pour moi. Allez, vous allez pas là. Qui est pour eux mais pas qui est pour moi. Les messages à prêcher, où t'as des mon anti amen, où t'as des mon à voler pompier. Gardez, pour la voler pompier et canalier. Canadien n'est plongé en bas de l'eau. Mais en temps, gardez, pour ne pas mouiller, ni plonger dans l'eau. Pour ne pas mouiller, message à prêcher, la petite amen. Message à prêcher, la petite bénisson à l'éternel. Et comme si ça passait, et pas quelqu'un qui me gardait, et pas quelqu'un qui touchait. Son monde n'a gardé, son monde qui en a assemblé à un problème. Pendant qu'on est problème là, dit qu'on business monde là, dit qu'on a affaire monde là.
monde, li kon problème monde, et yo ta ka foye, et pwe ka foye, les temps de dire amen, amen na yon monde en dil, les dire amen, amen na yon monde, mais pas écouter. Il a dit pharisien. Pharisien. Est-ce que ça va appeler bizarre? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et moi, nous bagaille. Les Jésus qui a parlé hypocrite, de hypocrisie. Hypocrisie à ce monde qui fait semblant. Ce sont des gens qui sous forme. Il y aurait des formalistes religieux. Regardez, hypocrite là, son monde, regardez, il est bien habillé, il est bien costumé, il est en forme, mais tandis que en temps par le généreux. Il dit, mais texte ça, mais un texte en premier a dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermerez aux hommes le royaume des cieux. Comme si pharisiens et mon chat, et mon chat fait lié. Les papes mangent, mais plus pour faire gâter. Il dit la parole. Les papes mangent, mais la gâter. Les fermes, moi, non. Dans mon pied, comprendre. Les fermes pour ciel, là. Moi, nous, pas que pile les gars, grand pile le monde comme dans l'église. Quel peuple, peuple à des yeux, mon Dieu. Peuple à des yeux, mon Dieu. Mais grand pile pasteur qui met peuple en otage. Grand pile pasteur, gabé, qui va les voir là. Peuple à soi, mon Dieu, pour jouer mon Dieu. Mais pasteur va les voir là. Pasteur va barrer. Gardez le royaume dans le propre. L'éternel dit, gardez, lui qui est pour paraître. Amen. En dernier temps, pour passer où l'on compresseur. Le dernier temps, pour passer. Parce que peuple a besoin de béni. Peuple a besoin de sanctifier. Peuple a besoin de libérer. Peuple a besoin de garder. Délivrer. Il dit. Il dit, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous fermez pas le royaume. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer. Ou pas pour entrer, quittez l'autre entrée. Et ça, pharisien, oui. Ou pas pour entrer. Mais pour qui ça va quitter l'autre entrée? Ou pas sous mon Dieu, quittez l'autre là chercher mon Dieu. Ou pas derrière mon Dieu. Mais quittez l'autre là qui vient dans l'évangile là. L'autre là à chercher mon Dieu. Quittez le jeune mon Dieu. Mais vous comptez, vous comptez le jeune pharisien. Pharisien, il y a une loi pour tout le monde. Mais pas une loi pour petit. Voilà. Qui est loi pour tout le monde? L'autre de garder. L'autre de garder. Bah la main qu'on met. Gardez la parole. La parole, laissez frère tel. Laissez saint tel. Qui est en situation. Prenez temps de faire, il paraît. Prenez-moi qui pour condamner. Elle y paraît. Prenez-moi qui pour voir le coup de roche là. Elle y paraît. Mais les camarades. Laissez petit parle. Laissez maman qui prend. Ou à qui t'en connaît. La porte coûte sa cour. Laissez maman garder. La porte coûte patte. Laissez maman là. La porte coûte griffe. Laissez maman là. La foi est montée. La foi est montée. La foi est montée. Passez à faire menacer. Puis si menacé, il y a loi pour tout le monde, mais pas de loi pour pharisiens. Et donc, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. Vous comprenez? Pharisiens, même, nous avons les films plein, les films manger, plein ventre, les à manger. Et bien, les films plein ventre, les à manger, et puis tout, les gens ont un téléphone pour faire des essais. Et quand même, là, il y a le bruit de dessert, plein de fantômes. Il va même besoin qu'on soute manger. Soute manger, soute boire. Dans mon bien compris, soute manger, soute boire. Tout le parc, il vient plein de fantômes. Il vient plein de fantômes. Il y a le téléphone pour faire des dessert sur la tête. Il est hypocrite des pharisiens. Il a dit malheur à vous, scribes des pharisiens. Vous comprenez? Vous comprenez? Pharisiens, regardez. Pharisiens, vous comprenez? Tout, regardez, tout a fait la préglée. D'amour, bien compris. Tout à fait la preuve. Et puis tout le monde n'est pas dit tout à fait courage. Voilà. Bon courage, bon Dieu qui a fait toute bague. Depuis le film, bon Dieu qui a fait toute bague. Dégage-vous.
Moi, tout bagage. Bon Dieu qui a fait tout bagage. L'autre dit bon Dieu qui a fait tout bagage. Qui bagage bon Dieu a fait, mais qui bagage bon Dieu a fait. L'homme vous fait. Qui bagage bon Dieu a fait. Quelle situation, mon Dieu, c'est vous prier besoin en mer. Quelle situation, mon Dieu, sont 50 dollars besoin en mer, sont 20 dollars besoin en mer, sont 30 dollars besoin en mer, et pas prier 50 dollars dans poche le mari, 20 dollars dans poche le mari. Ou regardez, ou dit mon Dieu qui a fait tout le bagaille, ou prendre la prière, et pas la prière, là les comptes à Bali, là les 50 dollars à Bali, là les 20 dollars à Bali, et laisse ça, mon Dieu. Fait tout bas. Dans mon pied, copain. Et laisse ça. Comment qui vient qui vos situations? Comment qui vient vos situations vient de vous? Et pas prier. Regardez, vous êtes analysé. Où est cas? Où contrôlez cas? Et pas prier, vous venez prier avec. Dès que vous avez pas de débat, vous avez réglé. Ou à l'huile, vous avez trop. 50 dollars à l'aile. Et puis tout parle dans 50 dollars. Et on quitte mon Dieu qui est l'autre cause. Mais on tellement pinga, ou tellement chicha, ou tellement gardé Clubia. Gardez-vous dans des guises de Clubia. Même si vous n'êtes pas prêts. Les Clubia, mais vos frères, les papés. Bible est l'offre, haïtien. Mais mon frère, les papés. Mais ma mon Dieu fait Clubia. Dans mon pied, mais ma mon Dieu fait Clubia. Pas besoin de moi pour vous-même. Bible a dit, malheur à vous, scribes et parisiens, les dégâts en dedans, ça, les dégâts dehors, bien porté. Moi, je ne sais pas. Une question de pharisiens qui est dans l'église. L'on regarde, j'ai fait entrer dans l'église avec mes gros robes. Vous bien compris? Mes gros robes, mes gros robes, mes matins, robes la privé tout à terre. Vous avez vu les troupeaux. Tandis que pendant que vous avez privé tout à terre, de l'eau à le travail là, de l'eau à le travail là, pendant que vous avez là, avec vous avez la même grosseur, tout à terre, vous avez la privé à terre, mais dans le travail là, mais j'ai coupé les lames là, le travail là, mais j'ai coupé les soleils, de l'eau, mais j'ai coupé les. Il rentre dans le paquet chaîne dans le col, il rentre dans le paquet maquillage, il rentre dans la ville trompé mon, mais de l'eau à charger maquillage, de l'eau à faire ton bataille, ou qu'à tromper mon Dieu, qui protestant pour qu'on l'aide, en dans le mariage pour aller, l'eau à le mariage là, ou à un saint tel, l'eau à le mariage là, ou à un matin un tel, l'eau à le mariage là, gardez bouchons à hausser, mes fins, plusieurs fins dans bouchons, mais faut chevaux, maintenant qu'est, faut chevaux. Le vina pour tromper mon âme, le vina pour regarder, pour pas être soufféka, pas mon tromper, pas mon féka, mais ma tour va garder des gardes, ou qu'a trompé l'homme, ou qu'a trompé pasteur, ou qu'a trompé madame pasteur, ou qu'a trompé comité d'église, non pas qu'a trompé mon Dieu, David quand père dit où irai-je, lui de ton esprit, où fuirai-je, lui de ta face, si mon Dieu est dans le ciel là, ou là, si je descends en bas la mer, pas que ce trépot, ou comme tout bagaille, ou même naviguer dans le péché, ou même naviguer dans la santé, ou même naviguer dans la corruption, pour Jéhovah, ma gloire sur la terre, l'éternel est attendu, l'éternel est péché, l'éternel est santé, l'éternel est jeté petit là, dans le plan de l'église, le jeté petit là, dans l'église, le jeté petit là, l'offre jeté petit là, avant le recet, le bail. Votre combien coûte ne pas votre combien coûte ne pour mon power mais bon Dieu entendu petit où j'étais la coque n'a qu'à attendre petit où j'étais la coque n'a encore au grand compte pour rendre à l'éternel des amis. Mon Dieu comprend, il dit quand on se voit pas de Dieu, c'est quand on aura semé, il le moissonnera. Dans mon pied, copain. Vous m'êtes allé. Malheur à vous, scribes. Les pharisiens en dedans propre. Non, dehors propre. Dehors propre, dehors clean. Dehors clean. Mais en dedans chargé à ossement. En dedans chargé à rapide. Dans mon pied. Vous voyez comment l'éternel compare les pharisiens. Ils comparent même son tombeau. Ils tombent. Vous voyez ça, les pharisiens tellement tels. Les gars, tout le monde. Il y a tous les prophètes, c'est ça que je dis. Il y a tous les prophètes. Il y a qui a construit ton blanc.
Amen. Bien compris, c'est ça qui est sorti. Il y a tous les prophètes. Pendant tous les prophètes là, et puis il y a qu'à construire tout le tombe. Pour prophète entrer dans le tombe, il y a qu'à construire. Et ça fait, il y a une bague pharisien. De nos jours, le terme pharisien traduit, traversé de l'espace dans l'église, il vient tomber en politique. Là, ça va. Amen. De nos jours, 80% de l'église à 90% de l'église sont dans la politique. L'église n'est pas là. Je ne sais pas politique lié. Au monde font bagarre et puis tout va sanction silencieux. Papa, pas seulement à mon bébé, comprenez. Moun n'a gagné mi quoi, amen. L'idée gagné mi quoi. La chanteur n'a pas doré. Tandis que pendant que je suis à terre, pendant que je suis en bas, gardez une chita silencieusement. Pendant que vous avez chanté, vous ne pouvez pas chanter. Voilà. Vous ne pouvez pas chanter. Elle ne peut pas chanter. Et vous ne pouvez pas chanter. Vous avez une sanction silencieuse, politique. Allez, vous n'avez pas là. Chargez politiciens dans l'église. Regardez. Où est-ce si vous avez besoin de bagarre? Où est-ce que vous avez besoin de bon grain politicien? Si vous avez un bon crime politicien récent dans l'église, vous avez dit, voilà. Chargez politicien. Politicien en bas, politicien en l'air. Allez-y, voilà. Les gars qui nous avaient passé à la belle dent, pour la belle dent, mon qui va derrière chargé passer à l'église. Mon qui a fait disciple là. Pour chavirer tes peuples à qui passer à l'église. Et ça fait une bagaille. Leur pasteur, leur leader, mais ne peut pas conduire. Leader, pas quand même, mais ne peut pas conduire avec la chair. Ah, l'exemple est là. Une bagaille. Ou pas quand même, mais ne peut pas conduire avec la chair. Ou pas quand même, mais ne peut pas conduire avec le sang. Laissez les doyer. Faut qu'il sacre la mer. Faut qu'il sacre la caille. Ou mettez sac la terre, ou entre l'éternel, je soif de ta présence, divin, chef de ma foi, ou en dans sac là, ou en la prière, mon Dieu, pour l'éternel dévoiler, mon qui a voyé, à mon qui pas voyé, quand il est qui semble la veille, il n'est pas voyé, qu'il est gardé, quand pour poigne à la tour, poigne à son côté, poigne à la tête, pour l'éternel révélé, et ça coupe ou pas, pour l'éternel révélé, faut qu'il y ait deux genoux. Moi, nous n'avons pas l'idée de descendre des genoux, regardez. Depuis le temps des temps. Il faut qu'il y ait deux genoux, il faut qu'il y ait un sac. Et puis nous avons sous sac là, tous les deux là, après l'eau, les mains cachées. Après l'eau, les ruses cachées. Qu'on peut un politicien qui, quand dans l'exemple, pendant 10 ans, on peut dire politicien. Un diplomate. Le diplomate. Alors, bien que, qu'il y ait une différence entre la sagesse et l'hypocrisie. Vous bien compris? La différence entre la sagesse et l'hypocrisie. Ça veut dire que la sagesse, je ne sais pas bagay, dans un moment, parce qu'il y a ce qu'on appelle un moment temps, chaque temps de sagesse. Vous l'avez avec moi? Chaque temps de sagesse, chaque époque de sagesse. Par exemple, quand on compte écrire, il y a pas d'accord pour couronner Jésus-Christ en tant que roi Jésus-Christ chargé. Il chape pour lui. Vous voulez en savoir? Regardez voilà. Allez, dit, vous voulez en vous connaissez le fils de la cartouche. Pendant que vous fils de la cartouche, vous dites, ah, c'est homme d'onction, c'est homme de grâce. Et vous pouvez paraître, fallu, il y a pris de la cartouche. Les élèves voilà. Parce que l'apôtre Paul, putain, tout comme ça, Paul, homme rempli d'onction, Paul, homme rempli de grâce. Il a dit qu'on contient l'acte des apôtres. Il n'y a pas éliminé Paul. Il a dit Paul qui a une onction qui est grâce à. Il a dit perceur de Paul, la perceur de Paul. Pour Paul, il a mis Paul non corbeille. Amen. Allez, viens, voilà. Puis là, il n'y a pas Paul. Il a mis Paul, Paul qui parle avec les longemel. Avec mon choix, mon abguerri. Il a dit pour Paul, il a mis non corbeille. Et puis tout passer derrière. La sagesse. Là, mon bien compris la sagesse. Faut comprendre. Sagesse à montre côté pour parler, côté pour pas parler. Allez, dis-le, voilà.
la Bible a montré, il n'y a pas pour Jésus dans le piège. Pendant qu'on prend Jésus dans le piège là, il a dit Jésus, est-ce qu'il t'a payé un peu? Jésus qui a payé pour eux, ils ont adoqué, ils disent qu'on s'agarde, ma pino bagaille. Sanouéa là, qui porterait? Il a dit porterait César. Et le portrait. Et puis tout Jésus-Christ dit, donne à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. La sagesse. Yo prend femme adultère. Yo mettez, yo prétend que son femme adultère. M'a dit, fais tellement terrible. Même tout bagaille. Et vous seul qui fait adultère. Mais on prend femme adultère. Quoi les gars? Les gars, ils pas là. Yo prend femme là. Mais quoi les gars? Il n'est pas venu. Son piège. Et puis tout pendant, Jésus, pendant que femme apparaît, puis on crible Jésus, puis on prend Jésus dans le piège. Puis la dit, Jésus pas besoin pour le bail, Jésus pas besoin, nous ne parlons de l'homme, parce qu'il est Dieu, parce qu'on dit, un enfant nous a donné, un fils nous a donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de Paix, il est Emmanuel, amen lui, Saint Jean qui ouvrait l'œil, Emmanuel, cela veut dire que Dieu est avec nous, pendant que femme n'a pas approché, gardez monsieur Roche la mer, pour occuper les femmes, pour lapider, Jésus gardé, mes têtes liées à terre. Vous avez besoin de l'esprit de la sagesse. Jésus met tes pieds à terre. Alléluia. Le maître, le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le roi de ce qu'il est. Il est l'Emmanuel. Il met tes pieds à terre. Et tous les gris péchés chaque grenet. Ah, l'église n'est pas là. Péchés chaque grenet. Et puis tout. Il dit, monsieur, qui est-ce dans nous qui va jamais pécher? Parce qu'il y a une bague qui donne dans l'église. On donne l'église chargée de juge. Mais moi, ça vaut pas. Chargée de juge. Chargée de juge. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de jeûne avec. Il n'y a pas de lamentation avec. Ne pas prier, ne pas faire ne pas faire de l'erreur, ne pas crier, ne pas plaider, ne pas précaution, caution devant mon Dieu. Mais t'as dit que, où est allé, puis au tombé, t'as dit qu'on est allé, t'as dit premier monde qui a crucifié là, ce sont des juges, premier monde qui a éliminé là, ce sont des juges. On a une bataille, on a des problèmes pour éliminer, on a des problèmes pour condamner, mais est-ce que t'es prié à même? Est-ce que t'es jeûné à même? Est-ce que la manqué, qu'on contrôle, ou prier à fidèle là, ou la manque à fidèle là, ou jeûner à fidèle là, gardez-nous, et puis toi, ou fait une position, mais chargé juge, mais moi avocat. Moi avocat. Il dit là, nous avons un avocat auprès du Père, le juste juge, à savoir Jésus de Nazareth. Nous avons bien compris. Et puis tout Jésus qui dit, voyez le premier coup de chat. Et puis de tout les yeux aller. Et puis de Jésus Christ dit, femme, ou même pas condamné, pas péché encore. Dans mon bien compris. Jésus Christ met au pinga. Et vous tombez encore, parce que m'gado, la grâce de Dieu. Au cas fond bagage, mon Dieu fait faveur. Mais il y a des côtés où vous pouvez use la grâce de Dieu. Vous avez. Alex, allez pas là. Ou alors use grâce, mon Dieu, m'gado. Ouais, la patience de Dieu est longue. Mais la patience de Dieu n'est pas infinie. Autant de paroles ça, bon répétez-vous. On parle de la longanimité de la patience de Dieu. Cela veut dire que la patience de Dieu est longue, mais la patience de Dieu n'est pas infinie. Autant de sangs là, la patience de Dieu est longue, mais la patience de Dieu n'est pas infinie. Et ça fait, vous pouvez comprendre, où est la patience pour Dieu final avec le monde, où est-ce que ça déclenche colère. Il a dit Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Il dit qu'il ne conteste pas sans cesse. Il n'égare pas sa colère à toujours. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions.
Il dit l'homme, ses jours sont comme l'herbe, elle fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Mais les lieux qu'elle occupait, ne la reconnaît plus. Et puis, la copine de Hébreux dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les enfants là, patience, mon Dieu, pour patience avant un jour, pas un problème, pour patience. Deux jours, pas un problème, parce que mon Dieu veut à travers cette patience pour qu'on repentance. Non, c'est pas vrai. D'abord, repentance ou bien ça ou les confessions, il va faire un dingue, non? Et ça, il n'est pas sur la confesse avec un dingue sexuel. Parce que repentance fait avec pleurs. Vous descendez là? Avec crier, avec chérissement, soit prépensif, il faut qu'à crier. Comment prépensif? Et puis tout le monde tombe dehors. Ou pas qu'à prépensif? Cœur attristé. Gardez cœur attristé. Ou bien les parties, content. Non, vous pas ça avec plein. Et ça fait que maintenant, patience, mon Dieu. Ou bien l'éternel fait patience plus de 120 ans avec Noé. Pendant 120 ans avec Noé, Noé va enfin. Non, et peuple apparent, ou repentir. Peuple apparent, j'aime converti. Vous ça l'éternel fait? Il pète fier avec les déluges, Noé. Ouais, parce que ça, 120 ans, la patience de Dieu. La patience de la dispensation de l'éternel touillé. Et bravo, bagarre, ça peut être là pour terminer dans la patience de Dieu. Bible a dit comme ça, l'éternel maintenant use de patience envers nous. Il dit que l'hypothèse n'a aucun de nos pays. Dans mon bien compris. De la volonté absolue de Dieu, c'est pour tout homme soit sauvé. Il n'a pas avec tout mon père péri. Mais il y a une bagarre l'éternel dit. Maintenant, immédiatement, porte de la grâce la fermée. Et ça fait les habitants de la terre qui ont pour péné. Ils mettent pour péné. Parce que quand on l'a arrivé, grâce la fermée. Et ça va me rappeler mieux dans ma gare qui vient. Pendant que la grâce là, l'éternel dit Noé, tu ne construis la chla. Pendant l'éternel dit Noé, tu ne construis la chla. L'éternel, Noé, tu ne construis la chla. Il y a une bagarre toute perte entrée. Le perte entrée, mais tandis que l'homme va entrer. Dans mon bien compris. Toute perte entrée, pas peur. L'homme va entrer. Il y a une bagarre qui est l'éternel. Là, l'éternel, il y a toute perte qui est entrée. L'éternel dit, mais Noé. Il dit, Noé, qu'il n'y a pas de banque. Voilà le bagage. Les Jésus-Christ vini. Si l'éternel va pasteur à Cléa, pendant la grande tribulation, pendant que tu as frappé, qu'un pasteur a touché lui. L'éternel dit, Noé, vous comprenez ça, l'éternel dit, Noé, banque Cléa. Bancléa. Et ça, qui est la carte de Dieu. Il dit Bancléa. Vous voyez ça? C'est parce que Noé était petit, petit neveu. Vous l'ensemble avec moi? Il était petit ami. Petit nièce. Nous avons bien compris. Et ça fait dans le ministère, pas quelqu'un sans ami. Et le ministère va faire d'associer. Voilà. T'es bon, le ministère associé, et raqueté, et déraqueté. L'éternel va jamais les démons. L'éternel est le seul monde. L'éternel n'est pas là. Sous les démons dans l'œil. Ou les démons dans le ministère. Et là, qui est encore. Mais dame associée. Ministère m'a fait associer. L'éternel est le Moïse. Dit Moïse, ma propre peuple là. Regardez, le peuple a péché. Alors, on péché. L'éternel est le Moïse. Dit ton peuple a péché. Voilà, on va refaire ça. Peuple éternel, lui. Le peuple à toi. L'éternel avait. Mais quand le peuple a péché, il dit Moïse, dit ton peuple a péché. Peuple a dit pas peuple l'éternel, encore qu'il y a un peuple Moïse. Et ça fait mal, non? Non, on peut pas mon Dieu qui est éclaté entre Moïse et l'éternel. L'éternel dit gardez, go côté, l'éternel dit ton peuple a péché. Go côté, le peuple arrivé. Moïse dit gardez, l'éternel dit pas tout le peuple là. Moïse dit non, l'éternel, pas tout le peuple. Là, on vient comprendre. Ce que c'est de ton peuple, on prend du bagaille. Ouais, non. Depuis le peuple, pour Dieu, marcher droite. Depuis le peuple, pendant l'église, marcher droite. Il a marché dans la sainteté. Il a marché dans la sanctification. Il a marché dans la crainte. Il s'est peuple pour Dieu. Mais immédiatement, le peuple a quitté. Vous allez te rappeler parce que là, c'est tout.
fait. La dit ton peuple. Et je, elle est de ton peuple à ranger vos os. Et ça fait ministère parfait associé. Ministère parfait anti-zami. On passe à l'église par bail. Par bail. Par bail. Par bail. L'idée gérée pour lui. Et ça va là. Vous n'allez pas comprendre. Regardez, ou papa, regardez, ministère se sous ton lit. Vous êtes le visionnaire. L'homme avait reçu par vous. Adam mangeait, Ève mangeait fuyant. L'éternel temple dit Adam, paix aux conséquences. Parce que l'homme avait reçu par Adam. L'homme avait reçu par Adam. L'homme n'a pas reçu par Ève. Et par Ève qui déjeune l'homme, mais c'est Adam. Cela veut dire que depuis le ministère mal marché, rangez le pantalon. Depuis le ministère mal branché, rangez le pantalon. Parce que depuis le ministère mal fonctionné, l'éternel a pris en garde. Depuis le ministère mal fonctionné, l'éternel a marché sur. Depuis le ministère mal fonctionné, on a pris un compte. Tu vois l'éternel. Le ministère m'a fait associer. Vous avez bien compris. Le ministère n'est pas fait associer. Quel que soit l'idée de mon côté, je sais quoi, corporation est incorporée dans l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont pas l'œuvre de Dieu. Et une raison qui vivait pendant Araon, Moïse bien concept là. Moïse quittait Ève là, l'homme est Araon. Lui quittait garder ministère, l'homme est Araon. C'est vrai là, la prière. Araon, pas que vision. Qui est l'idée en temps, qui est vision, pas que vision pasteur. Lui pas qu'elle, vision prédicateur, vision homme de Dieu. Lui pas qu'elle, Moïse qui a fait quitter le peuple là, l'homme est Araon. Tandis que Aaron sous Chanel. Bah non, bagaille. Pour l'idée de fonctionner, ou bien, pour l'idée maintenant, et par pasteur à coq, et pour passer à une vision. Si vision va pas partager, il est chez lui. Allez, voilà. Dans mon pied, vous voyez. Maintenant, Moïse quitte mission en main, vision en main à Aaron. Et puis toi, Aaron, t'es que Chanel, il construit un vaudor. Dans mon bien compris, il construit une photo. Et ça fait le bon Dieu pour le ministère pour aller sous dos. Voilà. Pour aller sous dos. Ou pas la guérir le ministère dans l'autre monde, mais c'est sous dos. Quand il y a l'air pour terminer, alors on n'a pas de vision. Et puis toi, on prend un photo. Il construit. Pendant le profond, il construit. Moïse descend sur tête montée. Moïse tombe en tête. Au paquet pour l'éternel dit Moïse, viens, ouais. Chaque peuple a monté devant. Là, mon bien comprendre. L'éternel a contrôlé. Chaque peuple a monté devant. Pas qu'après chaque peuple là. On vient l'idée. Il y a l'idée unique. Il y a l'idée sans pitié, sans pitié. Sans grâce. Sans consécration. Les amis, nous bagayons, peuple mon Dieu, nous bagayons. De quoi l'idée a pas de grâce? L'idée a sans pitié, sans pitié. Gardez pas les temps, pas attendre. Parce que pas de Dieu, non, son seul n'a aucun. Peuple, gardez la Bible, a dit comme ça. Tout le monde est pour rendre compte pour vos âmes. On va dire ça? Non, mais chacun rendra compte pour son âme. Alors, on va de grâce, il va de vision. Et l'éternel, à la fin de son mandat, l'éternel va péter fier là. Pour bêtise, il te fait de votre tête montée là. Dans vos dents, l'éternel va péter fier là. Donc, cela veut dire que pour retourner du malheur à vous, scribes les pharisiens, ou à faire mon pas entrer, ou à bloquer mon, mais au même tout pas entrer. Et pour terminer, ma bon bagaille, la mesure qu'on mesure est froid là. C'est la mesure, ça y est. Dans le jugement, mes yeux sont froids là. J'en ai jugé. Ou couchez madame, ou couchez madame, ou tout. Ou parlez mal, ou parlez mal, tout. Ou décalez tout le monde. Gardez-moi un petit, ou décalez tout le petit monde. Il y a comme ça, les gens ont fait petit pour la tout le monde. On parle de la loi du karma. Ou bien la loi de la moisson. Ou pas parler petit monde mal. C'est brillant qu'à prier pour lui, c'est prier pour lui.
Ou pas qu'à garder son petit pestillé, son garder son familier. Gardez pas nous à dire ça. Gourmet qu'à mettre dans deux. Gourmet qu'à marquer dans deux. Ou à dire son petit vol à lui. Son petit pédalier. Pour qui pour tout ça. Bâton, bâché, blanche, c'est lui qui a bâché noir. Quand on va parler le mal, ou ne parler le mal, attendez. Quand on va discriminer là, ou ne pas discriminer là. Qu'on loi parle pour attendez. Qu'on bâton parle pour. Qu'on soufflette qui parle pour. Ou parler pour le mal, trop. Ou décaler tout le mal, trop. Qu'un dossier pas décalé. Qu'un monde gardé. Ou parler mal. Qu'un monde ravagé. Ou attaquer ses mamans, puis elle méchant. Ou qu'on est tel. Comment est-elle, ou pas la belle. Ou pas le bête. Tandis que c'est au cap calcané, ta exemple, en papier, l'oué le dimanche, l'oué le mal belta, tandis que prenez mon qui parle pour le rapport, et au même méchant, prenez mon qui parle gardé pour le rapport, et au même, ou levez la lait, pardon, levez la lait, prenez mon qui parle la guerre à terre, et au même, ou parlez bien de lui, pardon, parlez bien de lui, prenez mon qui parle soufflé tel là, et au même méchant, puis la dégardé, il n'y a point de paix pour le méchant. Ou même qu'il est dans le qu'on est la terre qu'on mette. 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 Yo, il est l'éternel des hommes. Que c'est l'église.